Ouais. Ouais. Bonjour, mesdames et messieurs. Petit live sur Stray. Y a pas de son? Attendez, on va remettre la musique. C'est bizarre. Ah, le micro il commence à me faire chier. Normalement, il y a une petite musique sur l'écran titre. Voilà. Comment allez-vous? En ce magnifique lundi. Alors, on va tester Stray, du coup, ça nous fera du bien. Un petit jeu de chill. Après ce qu'on a enchaîné dernièrement, on a enchaîné Elden Ring, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Cuphead, Megaman 11. C'était des jeux hardcore, donc là, on va pouvoir chill un petit peu. Et alors, que je regarde un petit peu. Bon, on va toucher à rien à ce niveau-là. Au niveau de la musique, ça va, je pense. Peut-être baisser un peu le son. Merci pour le Prime Naxos. Jeu que, du coup, j'ai suivi depuis son tout premier trailer. C'est-à-dire il y a 2 ans. Du coin de l'œil. Très content de pouvoir le faire. On va voir. En espérant que ce soit pas le genre de jeu un peu. Le syndrome du jeu t'enlève le truc original qui fait le jeu et ça devient un jeu générique. Je ne pense pas, vu les critiques dithyrambiques qu'il s'est pris. Ça devrait être un jeu avec une ambiance assez ouf, du peu que j'ai vu. Et assez contemplatif. Donc let's go. J'étais impatient de le faire. Courage, Abyss. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Courage. Un petit taf de vacances d'été, ça te mettra bien. Bon, moi vous le savez, je surkiffe les animaux. Donc rien que là, il gagne des points, quoi. Forcément, voilà. Ah, c'est. Oh Dieu, ce petit tech! Allez, ça y est, c'est 20 sur 20! Bon, alors voyons voir. Attendez, ne me dites pas qu'ils ont assigné une touche pour miauler. On a une touche pour miauler. Allez, c'est 20 sur 20. Allez. Il n'y a pas besoin de test en carton, c'est bon. Allez. Mais je vais. Mais faut pas me donner ça, hein, monsieur l'arbitre. Là, je vais. Je vais la spammer cette touche, hein. Vraiment? Ah, on peut courir, attendez. D'accord. Est-ce qu'on peut parler? Là est la question. Oh, on peut faire chier ses potes en plus, trop bien. Ah non, mais non, mais lâche-moi, lâche-moi. Oh, tu fais quoi, tu fais quoi? Je sais très bien me toucher tout seul, ok? Je sais me toucher tout seul, lâche-moi. Oh la baston! Ah par contre tu peux pas annuler l'animation une fois qu'elle est partie. Hein. Le mec il a cru qu'il allait me laver. Attends, ça va frérot. Je suis majeur, d'accord? J'ai 3 ans. Je suis majeur. Je sais me laver tout seul. Attendez, faut quand même pas que je saute comme un con. Alors, je peux gambader en restant appuyé sur le bouton, la gâchette de droite. Ça, c'est pour zoomer. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ok, c'est bon. Allez, et du coup, je vais où? Peut-être la porte, on va voir. Est-ce que je peux sauter? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux tomber déjà? Là est la question, on peut voir. Ah, mais attendez. Ah non, fallait tous les activer. Ah, il fallait tous les faire chier, d'accord, ok. Donc c'est un jeu à énigmes, si j'ai bien compris. Et merci aussi pour le Prime Petit Cookie Double Choco, il y a 18 h, qui s'est sub après le stream. Voilà. On est sur PC, hein. Je voulais attendre sa sortie en boîte, en septembre. Sur PS5, mais bon, allez, je me suis dit... let's go.
Merci Créduit pour le Prime. Écoutez, le chat, je le trouve assez bien fait, moi. En termes de pelage, on a peut-être vu mieux, mais je le trouve assez bien fait, niveau animation et tout. Il est crédible. Moi, je trouve les chats plutôt bien foutus, moi. Ah, c'est pas la fourrure de Fox dans Star Fox Adventures, mais bon, c'est le mec qui force. Ouais, l'ambiance du jeu, elle est assez incroyable. Ça a l'air très contemplatif, c'est pour ça que ça va nous faire du bien. Là, après les Dark Souls, Cuphead et Mega Man 11, on va respirer un petit peu, on va faire un jeu un peu chill. Et ouais, il y a tout sur cette chaîne. Ah. Alors par contre, attendez. Je viens de voir un truc qui ne me plaît guère. Je vais attendre de pouvoir mettre start. Voilà, pas de vibration, merci. Alors d'accord, pour sauter c'est ça, cette touche. Alors c'est vrai que moi je suis un joueur Nintendo et tout, et à chaque fois que j'ai la manette Xbox dans les mains, c'est un bordel, parce que tout est inversé. Le A est à la place du B, appuyez sur B pour miauler. Ah du coup, ah mais c'est notre crew, c'est notre clan en fait. Suivez-moi mes fidèles compagnons. On va aller choper de la minette les gars. On est des chats de gouttière, mais vous inquiétez pas. On a un certain charisme. Ah, c'est sexy. En vrai, c'est sexy, hein. Il y a un petit quelque chose au niveau de l'ambiance. J'aime beaucoup. Donc je peux sauter, là. Ah là là, ça me donne envie de retourner voir les chats de ma tante. Et ma tante aussi, évidemment. Évidemment. Ah. Donc ça, c'est pour les actions. Très bien. Fais attention quand même à... Ouais. Ouais, le jeu de base, je voulais attendre septembre pour l'acheter en version boîte sur PS5. Mais je me suis dit, hein, autant le faire maintenant. Ah oui, donc pour tomber, faut appuyer sur 1. Oh, je sens qu'il va se passer un truc, là. Ah, je sens qu'on va perdre nos fidèles compagnons dans pas longtemps. Non mais lâche-moi, je t'ai dit que je pouvais me laver tout seul. C'est insupportable. Mes potes sont infantilisants. Je peux le faire tout seul. Donc apparemment le jeu c'est entre 5 et 10 heures, c'est ça? Bon après moi je me méfie... Le DLC de Cuphead, on m'a dit entre 5 et 6 heures, au final on l'a fini en 2 heures, donc bon. Je me méfie un petit peu. Oh là là, on a notre clan et tout. Maintenir A pour enchaîner les sauts, ah ok. Ouais, c'est la suite de Kirby, le monde oublié. On est dans le même monde là. Alors, question d'habitude je pense, mais c'est vrai que la caméra me semble... Ils sont partis par où? Ils sont partis par là-bas. Attendez, attendez. Exploration, exploration, attendez, attendez. La caméra me semble très proche du... Ou très bas, je sais pas comment dire. Ouais, vous me direz, on contrôle un chat, hein, pas un humain. Alors, est-ce qu'on est récompensé pour l'exploration? Non, pas du tout. Je vais me faire foutre, très bien. Regardez-le avec ses petites pattes, là. Oh là 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 là. Je suis arrivé en premier, bâtard. Oh, le bâtard, il m'a eu. Non, non, j'ai pas de PS5, mais ça ne saurait tarder.
C'était surtout pour avoir la version boîte et pouvoir y jouer sur PS5 quand je l'aurai. A la base, je voulais y jouer sur PS4, mais je me suis dit, bon, c'est 30 FPS, on a un PC de compète, autant le faire sur PC. Ça me rappelle mes deux chats, tiens. Le jeu est beau, hein. Petit effet de lumière, là, bien foutu, hein. Et donc ça, oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ah oui, jeu de Giga Chad. Alors, est-ce qu'on peut mourir? Moi, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'on peut tomber? Non, on peut pas tomber, hein. Très bien. Au moins, on est sûr de ça. En même temps, ce serait... Ça m'aurait semblé... Ah, là, il va se passer un truc, voilà. Longue vie au roi. Ouais, j'allais dire, ça aurait été assez con qu'on puisse tomber, on contrôle un chat. Rien de plus adroit et d'agile. Mufasa! Là, tu vois, j'ai déjà envie de réussir mon objectif. Qui est de retrouver les poteaux. Oh, et en plus, il titube. Ah non, les gars, non, vous pouvez pas me faire ça. Ah, ma voir un animal en détresse. Ah ouais, du coup, ah oui. Tu vois, t'as déjà envie de réussir ton objectif, de retrouver tes potes. Et là, ce qui est drôle, c'est que je pense que la suite du jeu, niveau ambiance, va totalement contraster de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'était assez lumineux et bucolique, et depuis peu que j'ai vu, c'est très sombre et très glauque. L'ambiance est dégueulasse, mais dégueulasse dans le bon sens, en fait. C'est vraiment une ambiance assez glauque et particulière. Allez, mon gars, t'inquiète. Moi, je suis là, moi. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Bon, malheureusement, je peux pas... Forcément, je peux pas courir. Ah, ça y est, il se remet. Ah, ça y est. Ah, ça y est, il a pris un Senzu, ça y est. Ah, ça y est, il a pris un Senzu. Ah, petite physique avec la... Oh. Ma libellule. Succès déverrouillé, saut raté. Bah, te faire foutre. Oula. Ok, j'aime ce genre de mise en scène, c'est cool. Bon, alors, tu peux sauter ici, d'accord. Super. Je me demande s'il y a des trucs à récupérer, par contre. Tequila, Anakin. Est-ce que je peux sauter? Non, alors. Ça va être la difficulté du jeu, je pense. C'est savoir où tu peux sauter. Et où tu ne peux pas. Merci pour le Prime, Zuc. Et j'ai même pas envie de courir, en fait. J'ai envie de me sentir dans la peau du chat, de marcher tranquillou. De contempler. Hop. Non. Alors, ça va être compliqué, ça aussi. Je peux pas sauter, là? Si je peux, tu vois. Ça ne sert à rien.
Le chat c'est Fabio mais dans le monde d'Harry Potter. Ah bon? Ah, donc si je reste appuyé sur A... Alors tu vois là par exemple... On peut aller à droite et à gauche. Je me demande en fait s'il y a des petits collectibles à récupérer ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. Ouais, quelqu'un dans une ruelle sombre qui me demande de le suivre. Très peu pour moi. Et si je restais là à me lécher les couilles? Je suis un chat maintenant, je peux faire ce que je veux. Je veux dire, pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on les écouterait? Alors j'ai un seau. Je peux pas foutre de l'eau dedans, non? Alors je vais le garder au cas où. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah j'ai bien fait de le garder. Ok, oh là, la première énigme, first try. Et d'après des scientifiques et tout, cette énigme, il y a genre 2% des joueurs qui ont réussi à la trouver. Voilà. Source, magazine People, comme d'habitude. Merci Sakilan, pour le troisième mois. Alors attendez. Ah bah voilà. Ah, mon chat, quand il faisait ça, il me cassait les couilles. Il faisait tout tomber. Ça le faisait rire, ce con. C'est vrai que c'est drôle. Moi, si j'étais un chat, je le ferais tout le temps. Là, c'est vrai que c'est drôle. C'est trop bien. J'espère qu'il y a des gens en dessous. Pour bien les faire chier. C'est vrai que mes deux chats faisaient tout le temps ça. Petits emmerdeurs. Ah, alors je peux sauter ici. Il fallait pas me donner ce bouton. Vraiment pas. Hein. Là, à mon avis, on va le spammer celui-là. Ah, oh, ouais. Yes. Ah, attendez, il y a la date. 11 octobre. Ah, à moins que ce soit abandonné depuis longtemps ici. Oh, est-ce qu'on peut pisser sur le tapis? J'ai envie d'être chiant. J'ai envie d'être le style de chat. Oh, faire ses griffes! Oh là là. Trop bien. Meurs! Meurs, saleté de tapis! T'es jaloux? J'ai envie d'être le genre de chat chiant, moi, tu vois. J'ai pas envie d'être le chat exemplaire ou patapouf qui fait rien. Non, moi, je vais être le chat chiant. Moi. Eh oui, Jamy, boire c'est important. Même si tu es un chat. Oh, mais regardez-le. Sa petite tête là. Oh, chier! Venez vous battre! Il a disparu.
Dommage, si je le chopais, je le griffais. Voilà pourquoi le jeu dure 10 heures. Ah. Oh. Intéressant. Des ennemis. Je devais n'en faire qu'une bouchée. Est-ce qu'il y a un petit effet avec les poils mouillés, non? Ah, moi je t'ai dit je vais être le chat chiant. Je vais foutre le bordel. Ouais, 11 octobre, ok, mais de quelle année? Là est la question. Bon, après, visiblement, on est dans le futur. Ah, d'accord, donc on est obligé de fuir, ok. Bon, en fait, c'est, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de tester pour voir, mais bon. Allez. Non, mais les gars, j'ai First Try Manus. Vous croyez que c'est vous qui allez me faire peur, là? Vous êtes des malades, vous? Des puces! Des tics! Oh les petites esquives! Ça, c'est à 7h sur Malenia, ça se sent! Hein. Oh là 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 là! Après, je suis en fast roll. Ça m'aide pas mal. Vraiment sympa hein, les effets de lumière. Hein. Le jeu est vraiment sexy. Pour le coup. Alors, tu me dis de descendre. Ah, alors, il faut avoir la caméra en fait. Est-ce que je peux sauter si je vois plus le truc? Ah oui, je peux. Alors bizarre, il a pas voulu tout à l'heure. Ok. Un petit passage. Oh, mais il est intelligent ce chat. Ce chat est très intelligent. Je peux casser des pots sans me faire engueuler, je suis un chat, j'ai une excuse. Parfait. Est-ce que je peux aller là-dedans? Ah, c'est fou ça. Ah ouais. Ouais. Ah, quand tu miaules, tu peux avoir une interaction avec les... Non, c'est fou ça. Mais ce chat est magique. C'est le chat magique, il miaule. Et des choses se passent. Incroyable.
Ok, donc c'est vraiment des énigmes, hein. Moi pour le coup j'ai vu aucun gameplay hormis le premier trailer. Oh là, parfait, ce que je voulais. Oh yes. J'espère qu'il y a des humains en bas. Franchement, ça leur apprendra à ces connards. Oh, je fous le bordel, moi. Eh d'accord, donc c'était trop haut pour lui, d'accord. Il se passe des choses, hein. Il y a une petite mise en scène, hein. Les caméras qui te regardent, c'est pas trop ce qui se passe. Attends, oula. Ah lui, il est parti... à Péta ou Schnock. Ah, Dogo Simulator, j'aimerais bien, moi. Je demande que ça. Ah, qui sait, c'est peut-être la suite. C'est peut-être le prochain jeu. Dédé. Ouh. Et tu survis. T'es un cats. T'es un gros cats. Un bon gros cats ronron. Ah, tu l'attends pas là, l'endroit là-bas? T'es sûr? Ok. Alors, est-ce que je peux faire un truc avec cette planche? Oui, je peux sûrement la pousser, je pense. Le petit chat. J'entends un bruit quand je miaule derrière. Ah, il y a un truc à bouger. J'entends un petit bruit de... un petit grouillement. Ou alors c'est l'électricité. Il se passe des choses avec ce chat. Mission, retrouver nos trois poteaux. I want some privacy, please. Can you stop filming? Ah ouais, hein, ça marche, hein. Ouais, le prochain texte, c'est Stray. Ça arrive demain. Ça arrive demain, ouais. C'est rien, t'es juste suivi. Ah bah ça va alors, tout va bien. Arrête, certains vont nous croire. Bah j'espère bien. J'espère bien. Mais c'est la vérité, hein. Oui, oui, oui. Il est intelligent ce chat. Hein. Il est intelligent. Troisième stage, l'appartement. Ça. Bah après moi y'a rien qui me choque dans cette chambre, hein. C'est la chambre d'un joueur de LOL, quoi.
Je dirais même plus un main Akali, ça. Ouais. Ça sent le jeu sans race, ça. Ouais, je reconnais. Ça, c'est main Irelia, main Akali. On reconnaît bien. Tiens, bah bouffe. Tiens, bouffe. T'apprendras à jouer tes persos avec 36 000 dash, là. Oh, mais quelle... Quelle agilité! Oh, yes! Moi, je fous le bordel, moi. Ah! Voilà, encore un truc que mon chat faisait, voilà. Ça, c'est très sympa, ça. C'est marrant parce que les devs ont vraiment pensé à te laisser faire tout ce qu'un chat fait, quoi. Ça peut sembler con, mais ils auraient pu oublier le petit clavier. Ah bah non, remets. Voilà. Gauti, j'en sais rien. Moi, mon Gauti, j'ai déjà choisi pour le coup. Mais nul doute que j'ai bien aimé ce jeu aussi. Attendez, il y avait un truc là. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça là. Si j'en mets, ça fait quoi? Y'a pas un autre endroit où je peux le mettre? Là est la question. Est-ce que ça change un truc si je les inverse? Je pense pas, hein. Non, du tout. Ok, on en a récupéré un autre. Bon, admettons. On en a trois. Ah oui, d'accord, donc il y en a 4 ici en bas. Faut que je les mette là-dedans, je pense. Peut-être que le quatrième est là-bas. Ça m'en a pas l'air. Bon, déjà, je vais les mettre, eux. Ouais, t'as ton carton sous stray demain, ouais. Comme je disais plus tôt. Il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on a ramassé là? Qu'est-ce que ça dans la bouche? Une sorte de batterie.
Il y a écrit quoi là? J'arrive pas à voir. Ah, d'accord. Merde. Ouais, donc on est vraiment dans le futur. B12, ah oui, c'est ce que j'avais vu, ouais. La ville morte. Évidemment que je suis débrouillard, frère. Encore une fois, je suis majeur et vacciné, j'ai 3 ans. Faut arrêter de m'infantiliser, hein. Ça y est, on peut le lire ça enfin? Ah non, je peux pas, il faut B12 à tous les coups. Et oui, seul lui peut lire l'humain peut-être. Alors attendez. Hop. Tac, chaque fois que je joue un jeu, moi, je prends des notes. Au cas où s'il y a un futur tech dessus. Comme j'ai fait avec Kirby finalement. Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce dont je me souviens. Enfin oui, évidemment, le tech arrive demain, hein, j'ai oublié. Merci Teyos pour le 3e mois, je crois que je te l'ai pas dit. Je n'ai pas vu le sub. Merci à toi. Non mais alors, moi je suis un chat mec, je suis pas un chien. Donc tu te calmes, tu me dis pas ce que je dois faire, d'accord? Je suis libre et indépendant. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Qu'est-ce que tu m'as mis, enfoiré? J'étais libre et indépendant. Aidez-moi! J'étais si bien avant. Savannah a déjà fait le 1000% sustray. Il rejoue juste pour la commu, évidemment. Évidemment. A ton avis, en plus il vient de lui dire le chat. Il vient de lui dire. Il est pas trop gênant à porter, il lui a dit tout de suite. Traduction, t'es con ou quoi? J'ai bac plus 3 en LEA chat en fait.
Les capteurs détectent des données de mémoire à proximité. Donc c'est peut-être les collectibles. Je ne sais pas. Oui, ça a l'air d'être ça, hein. Il y a plusieurs trucs à récolter, je vois là. On a des clés. Ah, oh, c'est Resident Evil, quoi. Incroyable. Montre-le à d'autres gens si on en croise. Ah bon? On va voir d'autres gens, c'est fou ça. Salut Fleck. Attends mec, avant, il faut que je fasse un truc vite fait. Oh ouais. Ouais. Arrête de me regarder comme ça, je suis un chat, tu peux pas comprendre. Tu n'as aucune émotion, tu es un robot. Ah, donc ton truc devient violet quand... C'est fou ça. Oh, ah, et le robot me sert de lampe. Ah, il y a une ambiance quand même dans ce jeu. Hein. Il se passe des choses. Un code 3748. Ah, à mon avis, peut-être qu'il va falloir le retenir, ça. Ouais, je pense que oui, monsieur l'arbitre. Je pense que oui. Peut-être le code de carte bleue de quelqu'un, il va pouvoir acheter masse croquette avec. Enfin, des croquettes. De la pâtée, évidemment. Allez, d'accord, c'est juste ici. Dommage, c'est pas un code de carte bleue. C'est pas le code de carte bleue d'un humain. C'est bien dommage. J'aurais bien acheté v'là la pâtée avec. Oh putain, tu vas me casser les couilles. J'espère que t'es pas une navi ou une sorte de fail parce que on va pas s'entendre toi et moi, vraiment. J'espère que tu vas pas trop m'interrompre. J'ai déjà donné, hein. Zelda Scarlet Sword, je connais bien. Regardez sa petite tête. Après Navi, ça va. Navi, elle était mignonne. Faye, rien du tout. Personnage horrible, c'est tout. Plus jamais en entendre parler. Ah. De là que je viens, bah la surface, ouais. J'ai promis à quelqu'un que je j'irai là-bas, mais promis à qui? Eh, hey, j'ai envie de savoir la fin, ça y est. J'ai envie de retrouver mes potes et de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est con, mais... Merci. Bah, je m'en fous, mec. Je suis un chat. Je pense qu'à une chose, c'est... Enfin, à trois choses. Dormir... Me lécher les boules et manger. Est-ce que tu crois que j'aurais quelque chose à foutre? Moi, je veux juste gambader, moi. Est-ce que tu comprends, B12? Roleplay, cats! Ah, 3%, d'accord. C'est quoi déjà l'inventaire? Ah. Où ça? Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce qu'il me dit? Complètement fou. Voilà, ça que je voulais voir. D'accord, donc il y a bien des trucs à récolter. Ça, c'est la lampe. Mais qui a dit que j'allais t'aider en fait? En fait, alors on s'est pas compris B12,
Je crois qu'on s'est pas compris en fait. Tu me colles au train sans que j'aie rien demandé. Si à la fin de la quête, y a pas un minimum de pâté, compte pas sur moi, frérot, en fait. On s'est pas bien compris, toi et moi, je pense. On va tout reprendre à zéro parce que ça va pas là. Je crois qu'on s'est pas compris. Il est fou, lui. Et je veux un jouet. Je veux que tu m'achètes un jouet que tu paieras très cher. Et je ne jouerai qu'avec la boîte du jouet, je toucherai jamais au jouet. D'accord? Oui, ça sent le vécu. Oh, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est Malenia qui vient de chier. Ouais, un jouet qui fait du bruit qui plus est. On est d'accord. Oh putain! B12, aide-moi! Ah oh, non, 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 monsieur Rabbit, j'ai appuyé sur B. C'est con parce qu'en fait, j'ai appuyé sur A depuis tout à l'heure. J'ai vraiment du mal en fait à enchaîner entre manette Nintendo et manette Xbox. Ah, attendez! Oh non, il y avait un truc! Oh merde, mec, reviens! Zone sécurisée. Est-ce que tu peux revenir du coup? Ouais, c'est bon, il revient. Ah, ça vous fout les boules, hein. Ah ouais, vous êtes pas des chats, vous. Bande de merde. Tiens, parfait, un humain. Je vais aller le griffer pour le faire chier. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens de battre, viens de battre, viens de battre. Viens de battre, viens de battre. Ah, tu flippes, hein. Ouais, c'est ça, active l'arme rouge, ouais. Ouais, t'as de la chance. T'as de la chance. Ah, et vous venez de me mettre les bandes noires en haut et en bas. Ça veut dire que je cours. Il faut que je cours, ok. Attends, laisse-moi griffer le tapis vite fait. Merde, je peux pas. Venez vous battre. C'est Jax. C'est Jax avec son skin pêcheur. Bon, t'as pas de la pâté, frérot, parce que je me coltine un robot depuis 5 minutes, je me fais déjà chier. Ah, ça te fait rire, hein. T'aimes bien quand je miaule, hein. Ouais. Tu n'es pas un zurk. Bon, ça va, pas de méchant alors. Ouais, cette alerte ne met pas bien, ouais. Bon, après, quelque chose me dit qu'ils vont être hostiles par la suite. Je ne sais pas pourquoi. Oui, donc ça, c'est le futur après que le Dr. Light soit réussi à ses fins. Enfin, soit parvenu à ses fins, pardon. Ce qu'on a ref, je suis désolé, mais le Dr. Light la dernière fois. Complètement fou ce mec pour moi. Oui, l'intelligence artificielle elle est cool, Ça va être super de doter les robots d'une conscience. Bon, en attendant, on voit plus d'humains, on voit juste des robots.
Voilà. Merci, Dr. Light. Je t'avais dit de regarder Terminator 2, mec. Je te l'avais dit. Oh là, eh oh! Eh, t'arrives quoi, toi? Oh, il est pas content, lui. Alors mec, là d'où je viens, ça existe. On t'a pris pour un zurk. Allons bon. Qu'est-ce que tu médites? T'es un robot. Une photo de l'extérieur ridicule. Ok, il faut trouver Momo. Trouvons Momo. Comment ça, la planète? Oui, d'accord, donc c'est en gros. D'accord. Faut savoir ce qu'on doit faire. Du premier coup, hein. On tombe parfois sur de fausses images comme ça, elles évoquent tout l'extérieur. Ça existe, mec, hein. Ça c'est la Côte d'Azur, hein, je t'assure. GG le succès, merci. Merci beaucoup. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Marchandises. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. Ouais, mais j'ai rien, mec. Tout ce que j'ai, c'est des poils et voilà. Et ce robot à la con. 3 canettes de boissons énergétiques. J'en ai pas, mec. Souris. Ah, c'est quoi, c'est le hub central ou quoi? De la lessive super spirit. Ah, j'ai pas non plus. J'espère qu'on les a pas passés du coup. J'ai peut-être été un peu vite au début. J'espère que ça sera après qu'on les aura. Et ça c'est quoi? Ok, ça c'est pour sauter. Tiens, je fous le bordel moi. Dans ton magasin, voilà. Ça t'apprendra ça. Qu'attends ici? Saute! Ah, attendez, j'ai raté un truc, je pense. Ah non, je peux pas sauter là, ce qui me semblait. Lavomatique Super Spirit, justement c'est ce qu'il cherchait le bonhomme. Mais les urcs, c'est quoi? C'est les petits trucs qu'on a croisés là qui nous ont explosé la gueule? Bah c'est ça. T'inquiète, j'en fais mon affaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, d'accord, effectivement.
Tiens, regarde ce que je fais de ta bière, moi. Hop. Non, pas spécialement, c'est juste pour te faire chier, Billy. Ah, je prends mon temps, hein, j'explore. On peut pas le par... Ah ouais, non, lui, il est rebou, lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Table de billard? Oh, yes. Oh, attendez. Oh, attendez. Ok. Allez. Let's go. Tu n'as pas compris les règles, je crois, le chat. Je crois que tu n'as pas bien compris ce qu'il fallait faire. Oh là là, c'est mieux. Voilà. Il a fait tout l'inverse de ce qu'il fait. Un petit succès? Un petit succès? Allez. Allez. Bon, je sens qu'on va avoir un anneau cheaté là. Si on y arrive, on va avoir un anneau qui augmente notre défense physique à tous les coups. Allez. 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 Donc j'ai même pas de succès? D'accord, très bien. Ça a le coup. Bah donne-le moi. Mec. Ah ouais, mais aussi ce con de chat, il a mis la balle blanche directe. C'est malin ça. Sympa le troll. Bon allez, on va essayer d'atteindre Momo. Monsieur Momo. Alors il nous a dit que c'était l'appartement au néon orange. Celui-là. Allez, on va tenter d'y aller. Ah mais il y a beaucoup de... Ouvre! Oh mon chat, il me cassait les couilles avec ça. Je fermais la porte de ma chambre et il grattait à ma porte. J'ouvrais et il partait, il rentrait pas. Je refermais, il recommençait. Petit con. Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je pense que tous les gens qui ont eu un chat connaissent ça. Sinon il y avait un autre délire, c'est je me rappelle quand j'habitais c'était dans l'une de mes anciennes maisons, j'avais une grande chambre, je me rappelle, et je venais d'emménager. C'était une immense pièce et mon chat, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans un coin face au mur. Voilà. Je sais pas pourquoi, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a mon pote? Pourquoi face au mur dans ce coin là? Oh putain, ça va être compliqué ça.
Va falloir bien viser, tu vois. Voilà. Ok. Alors. On va faire péter des M&M's. Ah, bah voilà. Ah oui, il faut vraiment explorer en fait, hein. Ah oui. D'accord. Ah ouais, ah non mais il y a vrai. Ah oui, mais attendez, faut vraiment bien tout regarder. Oh, ah ça va me trigger. Ah les griffes sur le canapé, ça va me trigger. Ça me trigger ça. Ah d'accord. Donc on a eu les clés, on a eu des clés. Ah ouais, mais faut vraiment bien tout regarder quoi. Ça fait du bien quand même, un petit jeu de chill comme ça là. Je crois que c'est le premier d'ailleurs. Bon après, Kirby, Mario Galaxy, c'était... c'était chill aussi, mais... Ah mais non. Bah non, du coup. Non. T'as pas envie de... Ah, créatif! Comme un véritable humain, ok, ça c'est autre chose. On m'a toujours dit que j'avais des mains de pianiste. Partition 7 sur 8. Ah, il y en a d'autres du coup. Information d'importance relative. En gros, il te dit si... Ouais, trouvons ce qu'elle ouvre. Tu n'as pas d'autres infos à me donner? Non? Très bien. Ah d'accord. Oh putain.